Alors aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Dr Nadia. Elle est docteur, mais docteur en quoi? Est-ce que c'est docteur pour votre santé? Est-ce que c'est un médecin? En fait, elle est docteur en psychologie, donc elle est psychologue. Bonjour Dr Nadia. Bonjour. Et une psychologue, qu'est-ce que c'est? Habituellement, un psychologue, c'est quelqu'un qui connaît très bien comment fonctionnent les émotions, les pensées et les comportements chez un être humain. Moi, je suis spécialisée en enfance-adolescence, mais ça m'est arrivé de travailler aussi avec des adultes. Donc, souvent, quand quelqu'un vit de la détresse, comme des grosses peurs, ou est très, très, très déprimé, ou a des difficultés au niveau de son comportement, là, il se fâche trop rapidement, j'ai des stratégies, j'aide la personne à se comprendre elle-même, à nommer ce qu'elle vit, puis après ça, j'ai des stratégies à lui proposer pour arriver à mieux gérer ses émotions ou ses comportements. Donc, en général, c'est ça qu'un psychologue fait. On travaille beaucoup les émotions, hein, présentement dans l'âge que vous avez à la maison ou dans la classe, les amis, parce que on veut dire qu'est-ce qu'on ressent. Et parmi les émotions, il y en a des agréables. Des fois, il y a des émotions qui nous mettent un petit peu tout à l'envers. On ne comprend plus ce qui se passe, on ne se reconnaît pas vraiment. Et je pense, Dr Nadia, que c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière dans les livres qui sont proposés dans la trousse. On va parler, entre autres, de la timidité. Quand on est timide, on va parler de l'intimidation. Qu'est-ce que c'est, par exemple, l'intimidation? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, l'intimidation, c'est quand il y a une relation de pouvoir qui s'installe entre deux personnes où une d'entre elles blesse, soit verbalement, soit physiquement, ou humilie l'autre personne. Ça arrive des fois entre adultes. C'est peut-être plus rare parce que chez les enfants sont en apprentissage hein, dans leur relation avec les autres. Donc, des fois, il y en a qui ne comprennent pas à quel point ça peut blesser l'autre enfant. Donc, je ne dis pas que je veux excuser leur comportement. On ne devrait jamais intimider quelqu'un d'autre. Mais les enfants étant en apprentissage, souvent les adultes vont aider celui qui a été intimidé parce qu'évidemment, il a été blessé à cause des comportements de l'autre personne, de l'intimidateur. Mais on va essayer aussi d'aider l'intimidateur. C'est sûr qu'on va lui dire « fais plus ça », mais au-delà de lui dire « ne fais plus ça », on va essayer d'aller voir pourquoi il s'est comporté de cette façon-là. Est-ce qu'on pourrait l'aider peut-être à arriver à se valoriser aux yeux des autres sans avoir à se moquer d'un autre pour les faire rire? Donc, on va essayer de favoriser que cet élève-là apprenne de cette erreur-là pour qu'il développe des comportements plus gentils, plus sociables avec les autres. Dans les autres livres que vous allez pouvoir regarder, on parle des peurs. Et ça, c'est un gros sujet, les peurs. Je vais même le mettre ici pour qu'on puisse le voir comme il faut. Souvent, quand on a peur, Dr Nadia, des fois, on ne sait pas pourquoi, hein? On ne sait pas d'où ça vient nécessairement, cette peur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à passer par-dessus une peur? Si on a peur du noir, peut-être qu'on a peur d'un insecte, peut-être qu'on a des peurs qui n'existent même pas, on a peur d'un fantôme, même si on sait que les fantômes n'existent pas. Comment on fait pour essayer de diminuer cette peur-là ou en tout cas, peut-être même ne plus avoir peur de ces choses-là? Bien, une des bonnes stratégies, c'est de s'informer. Si on a peur de quelque chose qui existe vraiment, comme les abeilles, les araignées, les serpents, le fait de s'informer sur cet objet-là ou cet animal-là, ce qu'on connaît bien fait moins peur, en fait. Ça nous permet de mieux connaître ce à quoi on a affaire. Donc, ça va déjà venir aider. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'affronter notre peur une fois que nos parents nous ont dit qu'on avait peur pour rien, que la chose n'est pas dangereuse. Alors, si, par exemple, j'ai peur d'être dans ma chambre parce qu'il pourrait y avoir un fantôme, bien là, il faut que nos parents nous informent. Quand on est un enfant, on a besoin de nos parents un peu pour se faire rassurer, mais on a besoin aussi de tester la réalité. Donc, ce qui est idéal pour un parent, c'est d'aller voir sous le lit, dans le placard, s'il y a un fantôme, tout en disant à notre enfant, bien, ça n'existe pas, mais si tu veux, en plus, on va aller vérifier. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte, puis c'est un peu ce qui est expliqué dans l'histoire de Jacqueline et l'haricot magique. Jacqueline, elle n'a pas vraiment peur, mais elle a une garde royale
qui la protège trop de faux dangers. Alors, Mmh. elle, ce qu'elle dit, c'est que, par exemple, les gardiens lui disent, princesse, n'allez pas au bal parce qu'on pourrait vous marcher sur les pieds. Mais elle a dit, oui, mais peut-être que je pourrais y rencontrer mon prince aussi. Puis, tu sais, plein de gens dansent au bal, puis ils ne se font pas nécessairement marcher sur les pieds. Donc, elle amène l'idée de prendre un petit risque calculé pour aller vérifier si ce qui nous fait peur est vraiment dangereux. Le rôle de la peur, c'est de nous protéger des vrais dangers. Et des fois, elle prend trop de place, elle nous joue des tours et on a peur de choses qui ne sont pas dangereuses. Alors, c'est là que ça devient un piège et c'est ce que cette histoire-là tente de démontrer, en fait. Il faut expliquer en fait aux amis que Docteur Nadia, elle n'a pas écrit et elle n'a pas illustré les histoires. Donc, ce n'est pas elle qui a fait les dessins dans les livres ou qui a écrit nécessairement les histoires, mais c'est elle qui les a choisies. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que, Docteur Nadia, tu aimais beaucoup, beaucoup les albums jeunesse, probablement petite, mais même encore grande. Tu aimes ça, les livres comme ceux-là, donc les albums où on raconte des histoires. Comment tu as fait pour choisir ces histoires-là? Ben, j'en utilisais déjà un peu parce que quand je travaille avec des enfants, quand je suis la psychologue d'un enfant et que l'enfant a de la difficulté à me parler de ses émotions, j'essayais toujours de trouver des albums où un personnage vivait une situation pas exactement pareille, mais qui ressemblait un peu à celle de l'enfant que j'essayais d'aider. Et là, ben, en lisant ça ensemble avec lui, souvent après ça, l'enfant était capable de me parler beaucoup plus de ce qu'il vivait parce que dans une histoire, les émotions sont nommées. Donc, ça aide à l'enfant à nommer ce qu'il vit ou à dire, moi, je suis comme ça, moi, je suis pas comme ça. Soit qu'il s'identifie au personnage ou soit qu'il voit un contraste entre ses façons de réagir et celui du personnage. Donc, j'en avais déjà beaucoup. Et ces histoires-là qui sont devant vous, elles existaient déjà en anglais aux États-Unis. J'ai essayé d'aller chercher des histoires qui avaient déjà été écrites soit par des psychoéducateurs ou des psychologues un peu comme moi, des gens qui travaillent avec les émotions et les comportements des gens. Et moi, ma contribution, ça a été d'ajouter une note à la fin de l'histoire pour expliquer aux parents, mais aussi aux enseignants, aux éducateurs, comment on peut, un peu comme je le faisais en clinique, aider un enfant à s'exprimer après la lecture d'une histoire. Souvent, après avoir lu un livre, des fois, on a le goût d'en jaser avec quelqu'un d'autre qui l'a lu aussi. Ça ouvre souvent le dialogue. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces livres-là, c'est que souvent, ça donne l'envie à l'enfant de parler de ce qu'il a compris de l'histoire ou à quel point il a déjà vu ce genre de situation-là lui-même dans sa vie. Quand on lit un livre et qu'on aime beaucoup notre livre, souvent, c'est qu'on s'identifie à un personnage, on trouve que le personnage peut nous ressembler ou il vit des choses qu'on aimerait vivre ou qu'on a déjà vécues. Si je demande à Dr Nadia quel était son livre préféré quand elle était enfant, qu'est-ce qu'elle me répond? J'aimais beaucoup les Astérix. Les Astérix, c'est une bande dessinée où il y a deux guerriers, des personnages principaux qui défendent leur village des Romains qui veulent attaquer, qui veulent prendre possession de ce village-là. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'humour, c'était drôle, c'était toujours des histoires qui nous faisaient rire. Puis aussi, j'aimais les gens du village d'Astérix et Obélix, c'était des gens qui aimait rire, qui aimait faire la fête. Les histoires terminaient toujours par un gros banquet où on mange, on boit, on jase. Puis je trouvais tout le temps que ça ressemblait un petit peu aux Québécois, je trouve. Je trouvais ça me faisait penser à nos soupers de famille des fois qu'on a dans le temps des fêtes ou l'été, dans les barbecues. Genre, on dirait que j'aimais cette atmosphère-là qu'il y avait dans ces livres-là. J'ai aimé beaucoup les livres de la comtesse de Ségur aussi. Je trouvais parfois difficile. Il y avait des enfants qui se faisaient maltraiter des fois là-dedans, qui se faisaient punir assez sévèrement. C'était peut-être des fois difficile à lire, mais en même temps, on dirait que ça m'aidait à me trouver chanceuse d'avoir des parents qui ne me faisaient pas ça. Donc, ça m'avait marqué ces livres-là quand même. Apprécier ce qu'on a dans nos vies à nous, en fait, quand on voit quelque chose d'un petit peu plus difficile. Docteur Nadia, ce qui est super avec les livres qu'on a dans la trousse, les amis vont pouvoir les lire dans leur classe et les découvrir avec leurs enseignants, leurs éducatrices. Et pour les éducateurs et éducatrices, ainsi que les parents peut-être qui vont se procurer ces livres-là, à la toute fin, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a une série d'activités, de questions à poser avec les enfants et d'activités à faire en lien avec les thématiques, les intelligences multiples,
je ne l'avais pas nommé tantôt, mais les différents types d'intelligence. On comprend qu'il y en a plus qu'une. Il n'y a pas juste les mathématiques et le français. Je vous rappelle en fait celui de la peur, de l'intimidation et de la timidité. Donc, à chacun des livres, on a des activités associées à le contenu, en fait, la thématique et les personnages qui s'y retrouvent pour parler de ces sujets-là qui sont des fois moins faciles à aborder là, dans un contexte où il n'y a pas un support comme celui-là, donc un livre pour en parler. Merci beaucoup, Dr. Nadia. Merci à vous.